Bonjour et bienvenue dans la saison 2 d'Un chef dans ma cuisine avec Sauter. Aujourd'hui, on va réaliser un gâteau d'anniversaire, mais un gâteau d'anniversaire facile à faire. On va commencer par faire la pâte à gâteau. Tu vas m'aider à tout mélanger, Nolan. Ok ? Allez. Juste avant de terminer la pâte, on va préchauffer le four. On va directement sur Guide Saveur, sur Gâteau, et on peut mettre le programme Gâteau Yaourt. Alors Aude, on va faire quelque chose de très spécial. On va fondre le chocolat directement sur la plaque. La plaque Sauter, elle fond vraiment à toute petite température qui évite de brûler le chocolat. Une fois qu'il est fondu, on éteint et on va ajouter directement le beurre dedans. Donc une fois qu'on a nos œufs et notre sucre blanchi avec le chocolat et le beurre, on va venir l'insérer délicatement dedans. Moi, j'ajoute toujours un petit peu de fleur de sel dans le gâteau. Avec le chocolat, ça va très bien. On va venir beurrer le moule et on vient couler directement le gâteau dedans. La petite astuce, c'est de le cuire en fait dans un cul de poule, ce qui va donner déjà une forme bombée. Allez, on va enfourner. Tu vois, le gâteau est encore chaud. Ce qu'on va faire, c'est déjà le démouler à chaud sur une grille. Donc, le temps que ça refroidisse, on va pouvoir s'occuper de notre crème et de notre garniture. Donc, on part sur une chantilly améliorée au mascarpone pour qu'elle tienne bien. Évidemment, on va ajouter de la vanille. Hop, directement au batteur. Et on va pouvoir la mettre en poche à douille. Maintenant, on va attaquer le montage du gâteau. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va égaliser un petit peu le gâteau. Et une fois à plat, on va le couper en trois. On va venir mettre la crème au centre. Et alors, ce qu'on va faire, c'est qu'à l'aide d'un emporte-pièce, on va venir tailler un petit centre. On va récupérer la petite partie du bas, hop, qu'on va remettre dans le fond. Et on va venir mettre des petits bonbons. Le gâteau mouton d'anniversaire est terminé. Retrouvez-moi au prochain épisode pour une astuce d'un dessert rapide à base de fruits. Et n'oubliez pas, abonnez-vous. On le goûte ce gâteau ? Allez, on découvre la surprise ?